J'espère que vous allez bien, c'est Timon Jim. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, on teste le rugby fauteuil. C'est parti. Mathieu, Dame, Thibaut. La forme ? Ça va. Mathieu, présente-toi. Mathieu, j'ai 29 ans, je suis tétraplégique depuis 2011 suite à un accident de la vie en plongeon. En fait, j'ai eu une fracture au niveau de la moelle épinière. Ça veut dire quoi tétraplégique ? Donc je ne peux plus du tout bouger jambes, abdominaux, mais aussi au niveau bras, au niveau mains. La commande ne se fait plus entre le cerveau et certains muscles. Ok Jonathan, du coup, qu'est-ce qui va se passer là ? On va s'initier au rugby fauteuil. Ce que je te propose, c'est que tu enfiles ce maillot, le maillot du Stade Toulousain Rugby Handisport. Oh, il est magnifique, hein ? Débardeur important. Pour les biceps. C'est ça. Donc hop, le petit maillot. Ah, parfait. Il y a des gants. Pourquoi il y a des gants? Alors tout simplement parce qu'en fait on n'a pas du tout de fonction au niveau comme tu as au niveau des mains de flexion extension. Donc du coup en fait c'est un peu nos mains. D'accord, c'est des gants qui sont plus rigides. Exactement, plus rigides. Beaucoup de grip pour pouvoir avancer avec le fauteuil. D'accord, ou attraper la balle. Exactement. Mathieu, c'est quoi le rugby fauteuil? Un sport qui a été créé au Canada par des anciens champions de hockey ou de footballeurs américains qui ont eu des accidents un peu comme moi, okay. Qui se sont retrouvés en fauteuil roulant, à plus pouvoir faire de sport. Ils avaient besoin d'intensité, ouais. D'action comme ils avaient eu avant. Exactement. Ça cogne un peu. Ils ont créé un sport à part entière en fauteuil roulant. Alors je vais t'inviter à monter sur le fauteuil. Alors, d'abord les fesses. Comme ceci. Tu mets les pieds dedans. Voilà, là, et t'es ready. Ah oui, ce fauteuil-là est plus maniable qu'un fauteuil de ville. Des roulettes à l'arrière, des roulettes à l'avant qui permettent en fait une stabilité optimale du fauteuil. En tout cas, les triceps, ils travaillent bien, non là? Voilà, c'est plus que triceps, biceps, c'est tout le haut du corps. Ici, dans quel club nous sommes alors? Au Stade Toulousain Rugby Handisport et multiple champion de France. Génial, bravo. Et du coup, tu joues en équipe de France? Et voilà, oui, du coup, moi je fais partie de l'équipe de France. Bravo. Montre-nous comment tu t'équipes toi alors. Donc tu fais tout seul. Sors les pecs un peu là. Il y a combien d'équipes de rugby handisport en France? Une vingtaine d'équipes. Qu'est-ce que tu installes là? Alors je m'installe en fait des manchettes tout simplement pour une question de confort mais aussi parce que je freine avec les avant-bras en fait. Toi t'es en équipe de France? C'est ça. Je suis le capitaine de l'équipe de France depuis 2015. Eh ben félicitations. Là les gens ont mis du scotch pour éviter que les gants tombent au moment où je vais freiner. Quelles sont les règles de ce sport? On joue à 4 contre 4. C'est sur un terrain de basket. Le but c'est d'aller scorer un peu comme au football américain, d'aller marquer un essai avec un ballon sur les genoux. Combien de temps durent les matchs? 4 fois 8 minutes. Et pour ne pas tomber et pour que mon corps fasse corps avec le fauteuil, ici et là, on a des attaches qu'on va fixer. Comme une petite ceinture qu'on va fixer. Pour que les pieds soient bien immobilisés. Et ici aussi, comme dans l'avion. Voilà. Comme ça, quand je bouge, il y a tout mon corps qui bouge. Et tu tombes, le fauteuil dessus aussi. Tu tombes dessus. Ah, ça, on l'a pas dit ça. Alors, vas-y. John a installé, c'est bon, donc on va pouvoir commencer. C'est parti! Premier exercice, qu'est-ce qu'on va faire? Faire une marche avant, okay. Et une marche arrière très rapidement. Et après on se fera une course après. Ok, on va voir. Allez, go. On va tout donner. Go! Stop! Et après tu fais marche arrière. Ok, marche arrière. Regarde bien derrière. Ah oui? Y'a pas quelqu'un? Donc c'est parti maintenant, c'est l'heure de la course. On est parti. On est chaud. Go! Arrière. Je gagne. Égalité. John, c'était serré entre nous. T'étais pas loin. Égalité, non? Presque. Quel type de ballon vous avez alors? Alors on joue avec un ballon de volée. C'est un ballon rond, le plus léger possible. Okay. Comme on a des personnes qui sont atteintes des 4 membres, il nous fallait le ballon le plus léger possible pour pouvoir jouer. John, deuxième exercice, qu'est-ce qu'on fait? Et tout simplement, on va faire un slalom, plus un demi-tour. Et après, on va refaire un slalom pour arriver sur la ligne. On est parti? Oh, ouais, ok. Chaud? Allez, go. Allez, allez John. Allez, au revoir. Ah ouais. Ok. Bien. C'est impressionnant. C'est vrai que tu arrives à gérer le fauteuil, c'est incroyable. C'est des heures d'entraînement. Ok, gauche, droite, en tout cas. Prendre un petit peu plus large. Tac, tac. Plus large, voilà. Allez, maintenant on fait le tour du pneu. Allez, on reprend le slalom. Continue. Ok, continue là. Parfait. Ah, y'avait un truc, ah, y'avait un plot, le coquin. C'est cardio? C'est très cardio, ouais. Ouais, je le sens pas mal dans les épaules, même dans les mains et tout, dans les avant-bras. Et imagine, nous, on n'a pas du tout de mains, mais après, on en compense tout au niveau du haut du corps, du coup. Comment je me suis débrouillé là? Mais écoute, c'est déjà pas mal pour un premier essai. Sébastien, là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, on va faire ce que nous, on appelle les blocs, c'est-à-dire qu'on va bloquer le fauteuil en s'envoyant un gros choc de face. On va s'entrer dedans là. Voilà, tout à fait. Et tu vas avoir la sensation vraiment de l'impact au quad rugby. Oh putain, je me chie dessus. Ne t'inquiète pas, ça va bien, on va prendre soin de toi. Allez, go. Prêt, Thibaut? Prêt Seb. C'est parti. On dirait une joute. Go. Ok, tac tac.
non. Seb, on est d'accord, la prochaine, t'envoies du pâté. Je vais lui montrer ce que c'est qu'un petit contact quand on est tous les deux bien lancés. Ça va le remettre en place. Ça va le réveiller. Ça va le réveiller. Seb, pour la prochaine, il m'a dit qu'il allait y aller doucement. Ah, bon, bah, ça va alors. Donc tranquille, ok. Merci, Seb. Go. Ah, la GoPro elle a volé quoi. Tes impressions? C'est impressionnant, je pensais pas que c'était aussi violent, aussi puissant. Ça va être comme ça tout à l'heure? Non, pire encore, il y a des mecs qui tapent plus fort derrière hein. C'est quoi ce sport de bourrin? C'est encore pire que le vrai rugby. Voilà, c'est ça. Ça m'a réveillé pour l'après-midi, c'est bon, on passe à la suite. Est-ce que le rugby fauteuil c'est un sport violent? Alors c'est un sport très visuel, assez violent parce que voilà, on se met vraiment des gros contacts. Oh oui, est-ce qu'il y a des coups interdits? Tous les contacts qui sont situés à l'arrière du fauteuil sont dangereux. On n'a pas le droit non plus de rentrer en contact direct avec la personne. Ok les gens, donc là je suis avec Mathieu et Tristan. Pourquoi vous avez une ceinture alors là? Comme on a été touché au niveau de moelle épinière, on n'a plus tout ce qui est contraction au niveau des abdominaux. Être maintenu dans le fauteuil, pas partir, que ce soit en arrière ou en avant. Ça remplace un peu les abdos. Tristan, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Là, on va faire du 2 contre 1. Tu vas être avec Mathieu, tu vas porter le ballon. Mathieu va t'aider pour que tu puisses aller marquer. Pour faire simple, tu fais le défenseur et nous on fait l'attaque. C'est ça. C'est parti. Ok, c'est parti, j'ai le ballon. Là. Hop. Ok. Allez, viens. Allez, Thibaut, allez. Yes. Va marquer. Eh, il est fort ou il est pas fort? Merci public. Merci beaucoup, tu auras ton chèque tout à l'heure. Bien joué. Deuxième technique. Hop. Fais demi-tour. Wow. Oh. Ah. Ouais. Tu l'as. Yes. Ouais. Bravo. Qu'est-ce que vous en avez pensé alors? Bah, il apprend très vite, c'était parfait. Encore de l'entraînement, ouais, travailler un peu les bras, voilà. Plus de biceps. Ouais. Toi, faire du sport alors, qu'est-ce que ça t'apporte? Bénéfice énorme de sortir de chez soi, l'entraînement 2 ou 3 fois par semaine comme ça, vraiment ça vide l'esprit, ça libère. Est-ce que depuis que tu pratiques ce sport, toi ça t'aide au quotidien? Alors oui, j'ai gagné beaucoup au niveau musculaire, au niveau tout ce qui est autonomie aussi, au niveau du quotidien. Ok les gens, donc maintenant on passe en 2 contre 2. Rodolphe nous a rejoint. J'ai aussi changé de fauteuil. Mon fauteuil il a quoi de différent par rapport à tout à l'heure? Ce fauteuil là, il a une grille devant qui permet de bloquer les fauteuils offensifs pour pouvoir défendre plus facilement. C'est parti. Ok, c'est parti, go. Ok. Ok, la pression. Là on a récupéré la balle donc c'est bon, on a gagné. Allez, go. Ok, allez. Presque. Allez, go. Allez, hop, moi je bloque Rodolphe. Lâche pas. Allez, Thibaut. Non. Merde, bien joué. Les gens, dites-moi dans les commentaires le sport que vous pratiquez. Ok les gens, maintenant, exercice passe. Comment on fait une belle passe? Alors, pour faire une belle passe, il y a 3 types de passes selon le niveau de handicap. Faire des passes normales, comme au basket. Des longues passes, comme ça. Et les plus petits points qui ont plus gros handicap, en fait, eux, ils vont carrément devoir envoyer la balle sur le côté, vraiment, pour pouvoir taper dans la balle. D'accord, comme au volleyball. Comme au volleyball. Tu vas te mettre dans le coin. C'est parti. Yeah! Manchette! Oh merde! Oh, désolé! Manchette! Oh. Ah. Ouais! Ah. Bravo! Ok les gens, maintenant c'est moi qui vais réceptionner la balle. Enfin, qui vais essayer. Wouhou! J'ai les deltoïdes en feu là. Yes! Oh non! Allez, Thibaut là! Oh oui. Pouce bleu les gens, pouce bleu. Est-ce que tu as un souvenir lié à ce sport? Un bon souvenir, quelque chose qui t'a marqué? La première médaille qu'on a faite avec l'équipe de France il y a 2 ans au championnat d'Europe. Ok les gens, ça y est, c'est l'heure du match. On va tout donner, c'est parti. Ok. Oh, c'est sport violent quoi. Allez, défends Thibaut, défends. Ils vont trop vite. Fais une passe. Vas-y. Pardon. Yes. Bien gros. Allez Thibaut. Allez Thibaut. Un joueur à terre. T'as failli marquer gros. Presque, on était presque. Allez Thibaut. Ouais. Oh putain, j'ai les épaules en feu. Ouais Thibaut. Ouais. Bien joué. Et là c'est lui qui a pote. Ah, il est pas fou ce type. Oh, ce sport de malade quoi. Ah ouais, c'est fou. Pourquoi tu sors? Et du coup il est tombé dessus. Ah du coup t'es en prison là. Ouais c'est ça. Il va bloquer. Ok c'est bon.
Ok, ok. Oh oui. La brûlée. Merci les gars. Oui, go. Vas-y. Yeah. Ok. Vas-y. Yeah. Bravo les gars. Bien joué les gars. Bien joué mec. Oh, j'ai chaud les gens, ça fait de malade. Exagéré quoi. Et c'est rigolo en vrai. Là pour faire sortir la petite veine de l'épaule, c'est parfait comme sport. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui vont regarder la vidéo, qui sont peut-être aussi handicapées, qui restent chez eux? Qu'est-ce que tu leur dirais alors pour les motiver un petit peu? Alors je leur dirais de sortir de chez eux, de vraiment de se lancer. Il y a plein de sports qui sont accessibles à tout type de handicap, ceux qui se voient, ceux qui se voient pas. Il y a vraiment de quoi vivre de belles aventures, de pouvoir partir, de sortir de chez soi, de sortir de France même quand on part nous à l'étranger faire des tournois. C'est vraiment des choses que je pensais pas pouvoir vivre en tant que handicapé, de belles histoires à raconter. Oh, 100% Toulousain, 100% Toulousain, 100% Toulousain. Maintenant la Team Shape, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Regardez ma dernière vidéo en cliquant ici. Boum.